et bienvenue sur la chaîne. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo concernant la foire du livre et plus particulièrement les achats que j'ai fait à la foire du livre. Je vous avais indiqué que j'y allais il y a quelques jours, il y a une semaine ou deux, je sais pas trop quand cette vidéo sortira, mais bref, c'était il y a pas longtemps. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai ramené. Alors, je vais inclure aussi dans cette vidéo des cadeaux que j'ai reçus très gentiment un jour où j'avais pas trop le moral. Et bien entendu, ce sont des livres, donc je vais combiner les deux en une vidéo. Les achats foire du livre de Bruxelles de cette année-ci et les petits cadeaux que j'ai eu la chance de recevoir. Je commence par ce que j'ai ramené de la foire du livre. Alors, j'ai pris celui-ci qui est Anima de Wadji Mouawat aux éditions Babel. C'est un livre dont j'entends parler assez régulièrement, qui est très spécial apparemment, mais qui apparemment est très très bon aussi. Donc, ça faisait un petit moment que j'avais envie de le découvrir et je l'avais encore jamais vu trouver en librairie. Donc là, il était à la foire du livre de Bruxelles, étant donné que ça faisait un petit moment que je le cherchais. Après, j'aurais pu le commander, c'est vrai, tout à fait, mais je voulais tomber dessus par hasard, et donc comme ça a été le cas à la foire de Bruxelles, j'ai arrêté de chipoter et je me le suis pris. Donc je suis très curieuse de découvrir ce roman qui est apparemment très particulier. Je me suis aussi pris celui-ci qui est un Shirley Jackson, Nous avons toujours vécu au château de Rivage Noir. Ça, c'est un livre qui me tentait aussi beaucoup parce que de ces autrices, j'avais lu La Maison Hantée et j'avais beaucoup apprécié l'ambiance. Du coup, j'avais vu qu'elle avait écrit aussi ce livre-là et la petite histoire m'intéressait pas mal. Ça avait l'air assez spécial et ça concernait un château, une ambiance un petit peu bizarre. Donc, ça faisait aussi un petit moment que je m'étais dit que si je le voyais, j'allais me le prendre. De nouveau, je l'ai trouvé à la foire du livre de Bruxelles. À la base, j'y allais pas spécialement pour acheter des poches, étant donné que ce sont des livres qui sont assez facilement trouvables, mais étant donné que voilà, le hasard a fait bien les choses, je n'ai pas chipoté davantage et je l'ai pris aussi. Ou sinon, je suis passée faire un tour sur le stand Mnemos et je me suis pris plusieurs choses. Première chose, je me suis pris celui-ci qui est Serviteur des Enfers de Aliette de Baudard, mais aux éditions Mnemos, comme je vous l'ai dit. J'aime beaucoup cette maison d'édition et ce qu'ils proposent de manière générale. Et ici, ben, j'avais un petit peu lu la quatrième de couverture. On est en 1480 et c'est vrai que la personne qui tenait le stand me l'a très bien vendu, donc j'ai eu envie de découvrir. On est dans une enquête magico-policière que va faire un prêtre détective, donc tout ça m'avait pas mal interpellée. Je me suis dit que ça pouvait être très sympathique, donc avec évidemment un aspect magique et un aspect historique vu que ça va traiter de l'empire aztèque. Mais bien plus tard évidemment vu qu'on est en 1480, mais du coup ça me tentait beaucoup et je l'ai pris. Sur ce même stand, je me suis également pris Ce qui nous hante de Sacha Bazet. Ça c'est aux éditions Naos, mais c'est Mnemos et la mise en page est très sympa. On a des trucs comme ça, vous voyez, des petits mots qui sont insérés dans le texte. Je vois qu'il y a des petits dessins, je vois que c'est amené en acte. Donc déjà, la mise en page est super haute, originale. Oui, il y a des petits... voilà, petits masques de théâtre et autre chose. Ça faisait un petit moment que celui-ci me faisait de l'œil et qui me tentait pas mal. On est dans un thriller fantastique haletant où se croise une galerie de personnages modernes et attachants qui ne vous laisseront pas indifférents. Un roman où le surnaturel est au service de thématiques profondes et intimes. Attention, ce château vous hantera longtemps. Donc voilà, comme il me faisait de l'œil, je me le suis pris. J'ai également pris celui-ci que je n'ai vu encore passer nulle part, c'est Babel 17 de Samuel R. Delany. C'est un livre assez... j'ai mis le marque-page. On pouvait prendre des marque-pages. J'ai pris celui-ci de la cité Exsangue.
parce qu'il y avait pas celui-ci par exemple, mais j'ai le livre La Cité Exsang dans ma palle, donc je me suis dit que j'allais prendre celui-là. Donc ici on est sur un plus petit format, donc ici on est dans une ambiance science-fiction et j'avais envie de aussi un petit peu prendre ce genre littéraire, donc je me suis dit que ça pouvait très bien passer. Le résumé avait l'air sympa, donc on me dit que depuis plusieurs années, une guerre sans merci oppose l'Alliance, donc la Terre et les planètes ralliées à sa cause aux extérieurs de mystérieux ennemis issus de galaxies lointaines. Avant chaque attaque commise contre l'Alliance, des messages sont captés utilisant ce que le commandant militaire de la Terre pense être un code Babel 17. Pour briser le secret du cryptage, les autorités demandent l'aide de Rhydra Wong, une poétesse et linguiste qui découvrira bien vite que Babel 17 est en fait une langue inconnue. À bord de son vaisseau spatial entouré de son équipage de postes humains, Rhydra se lance dans une quête entre les galaxies pour recueillir des indices sur ce qui pourrait bien être l'arme ultime pour détruire la Terre et ses alliés. Voilà, ça m'a intéressé donc. Je l'ai pris. Dernière chose que j'ai pris sur ce stand, c'est celui-ci que j'avais vu passer sur Instagram et je m'étais dit que si je le trouvais, je le prenais. Donc c'est donc Pax Elfica de Pierre Grimbert, c'est le Lanternier en édition reliée qui est vraiment très beau. On a du jaspage aussi ici. Alors je vous montre l'intérieur. Voilà, qui se présente comme ceci. Voilà. Donc, il est très très beau et c'est vrai que quand j'avais vu cette sortie qui s'annonçait, je m'étais dit que j'allais le prendre parce que j'ai un intérêt quand même pour Pierre Grimbert depuis que j'ai lu Les Parangons, que j'ai adoré. D'ailleurs, j'ai la suite, je pense que c'est L'Âme des Parangons que j'ai acheté récemment, mais du coup... j'avais très envie d'avoir celui-là aussi. Il n'y avait pas grand chose comme raison et comme argument. Donc voilà, je voulais le prendre. Donc ici, on est dans une ambiance avec des fées, avec des morts vivants. Donc des thématiques qui me plaisent beaucoup aussi. Et j'ai très très hâte de pouvoir le découvrir. Alors ensuite, j'ai fait un petit saut, un arrêt aux éditions Plume Blanche. Et là, j'ai pris beaucoup de choses, mais j'avoue que c'est pas seulement de mon fait. Ça a été plus ou moins imposé par ma sœur qui a beaucoup craqué. Et du coup, elle voulait pas être la seule à craquer et elle m'a un petit peu obligée de prendre des livres. Donc, je vous montre ça. J'ai prévu d'acheter celui-ci qui est Memento Mori de Sandra Trinam. Où là, il est question de Hadès. Apparemment, on va être sur un genre d'enquête parce qu'il y a des morts. Il y a un tueur qui sévit et qui laisse les corps mutilés recouverts de symboles grecs en référence à Hadès. Donc, on va suivre un policier qui va être chargé de cette affaire. Et en même temps, le petit aspect cocasse de l'histoire, c'est que Hadès, le vrai, le dieu Hadès, va être un petit peu intrigué et va se demander qui est ce mortel qui ose utiliser son nom pour ses méfaits. Donc je pense qu'il y aura un petit aspect très sympathique là-dedans avec le côté mythologique et dieu et en même temps enquête policière. Donc voilà, il me faisait de l'œil et je l'ai pris. J'avais aussi prévu de m'acheter celui-ci. À la base, c'était le seul que je comptais acheter. La Voix de la Vengeance de Sacha Morage. Je pense que vous l'avez vu passer parce que c'est une sortie toute récente des éditions Plume Blanche. J'ai pu avoir aussi un marque-page et cette illustration. Et alors, j'ai pu avoir une dédicace de l'autrice qui était sur place. Donc, je suis très contente. C'est un one-shot d'après ce que j'en sais. Alors, ça a l'air très... c'est adulte. Il y a de la violence. C'est assez trash. Donc, c'est pas à mettre entre des petites mains... innocente et jeune. Et il me faisait très envie, je sais pas grand chose à part que c'est plus de la dark fantasy d'après ce que j'ai compris et du coup c'est celui-là que je voulais acheter et j'aimerais bien me plonger dedans dans pas trop longtemps. Maintenant il y a ce qu'on m'a plus ou moins obligé de prendre. Alors je me suis pris L'Ange Déchu
qui est une intégrale de Marion Aubry. C'est vrai que ce livre, après j'ai été obligée, mais c'était pas non plus contre ma volonté complètement, parce que ce livre je l'avais déjà vu passer et c'est vrai que j'avais eu envie de le prendre et je l'avais pas fait. Donc ici c'était l'occasion. En plus c'est une intégrale, donc bon plan vu que avec un seul livre j'ai la totalité de l'histoire. Je suis très curieuse de découvrir de Marion Aubry. J'avais lu l'Ascension des dragons que j'avais vraiment bien aimé, donc voilà, je suis tout à fait prête à découvrir une autre histoire de cette autrice. J'ai pris celui-ci qui est Headline, le bracelet rouge, les bracelets rouges de Lena Jomae. C'est un premier tome, il y a un deuxième livre qui est sorti, donc on m'a expliqué qu'on pouvait les lire. Enfin, on n'est peut-être pas obligé de suivre l'ordre spécialement parce que ce sont des enquêtes. Dans cette histoire, on va suivre un duo, une journaliste et une policière qui vont se lancer dans une enquête. Ça va parler évidemment de vampires. Ça avait l'air très sympa. De nouveau, la mise en page est assez spéciale parce qu'on a ce genre de choses à l'intérieur. Je trouve ça super sympa. Il y en a pas mal, des petites headlines. Donc je suis très curieuse de découvrir. C'est vrai que ce livre-là, il me fait de l'œil depuis un petit moment. Et voilà, comme il était sur le stand, je me le suis pris. Je me suis aussi pris Salem, du coup, de Sandra Trinham. Où là, ça va parler de surnaturel et de mythologie. Apparemment, c'est très bien construit, très bien amené. C'est vrai que ça me tentait pas mal. On dirait que ça a reçu le prix Livre Addict, si je me trompe pas. En tout cas, c'est indiqué, si je me trompe pas, c'est bien le logo de Livre Addict. Ça se passe en 1692. On est à Salem. Ça va parler, je suppose, de sorcières. Et moi, ça me va très bien. Donc, de nouveau, une lecture que je suis très curieuse de découvrir. Donc, ça, c'était pour le passage au stand des éditions Plume Blanche. Et je suis passée aussi au stand de Le Héron d'Argent. Et là, j'ai acheté un livre qui est celui-ci. C'est Les Chasseurs de Prophéties de Geoffrey Legrand. Avec un beau jaspage, le livre est relié, il est vraiment très très joli. Il y avait aussi un autre livre qui me tentait bien, dont je ne me rappelle plus du titre. Et en fait, comme il faisait aussi envie à ma sœur, c'est elle qui l'a pris. On s'est dit que moi, on allait en acheter du coup un chacune, comme ça, ça faisait une petite économie. Et qu'ensuite, on se les prêterait. Donc moi, j'ai pris celui-ci que j'avais prévu d'acheter de longue date. Et elle a pris l'autre, qui est aussi en relié avec un beau jaspage. Et un des auteurs était là. Parce que c'est écrit à quatre mains et du coup un des auteurs nous a fait une petite dédicace et je me souviens plus du titre, mais je vais réfléchir et vous noter ça ici en bas, peut-être avec la petite image, comme ça vous pouvez le voir. Donc ici, une rivière bordée de dunes sauf au regard perçant de hauts prêtres de la très sainte cité d'Arsal. Du haut de sa pyramide à degrés, la grande ziggourate, ce clergé antique impitoyable, assoit son pouvoir sur des prophéties infaillibles. La plaine du Davel serait-elle bénie des dieux ? Pas seulement, la guilde secrète des chasseurs de prophéties y veille. L'énigmatique Telmozan, maître falsificateur, est recruté pour réaliser la prophétie des 1000 ans. La plus complexe de toutes, le retour sur terre de la puissante déesse Damkina elle-même. Politiciens, hérétiques, rivaux, truands. Et si le plus grand adversaire de Telmozan venait de son propre camp? Une mission impossible, version fantasy antique. Donc voilà, tout est dit et moi ça me plaisait bien à l'intérieur. La mise en page est très jolie aussi. Je vous montre un début de chapitre et ensuite c'est des encadrés comme ça. Donc très joli travail de mise en page. Donc pareil, hein, j'espère que je le laisserai pas traîner trop longtemps. Et ensuite, je me suis pris aussi deux BD. La première, c'est celui-ci qui est donc The Nice House on the Lake. Le premier tome aux éditions Urban que je vois passer depuis un petit moment sur YouTube et Instagram. Et c'est vrai que ça me tentait beaucoup parce que ça a l'air très 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 sympa.
sa note. Et toi, tu l'imagines comment, la fin du monde? Donc c'est très énigmatique au niveau du résumé. Et j'étais très curieuse de découvrir cette BD, cette histoire. C'était pas prévu que je le prenne, mais par hasard, je suis tombée dessus. Voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de me le prendre et de découvrir ce premier tome. Et sinon, je me suis pris aussi celui-ci, qui est donc Ruby. Ou Rubis, je ne sais pas si le S se prononce, aux éditions Le Lombard. C'est des très très beaux dessins déjà. C'est ce style-là. Et d'après ce que j'avais compris, ça va parler de sorcières et de nature. De nouveau, le résumé à l'arrière n'est pas un résumé, c'est juste une phrase indiquée. Alors je les ai rejointes et à mon tour je suis devenue une sorcière. Mais aux yeux des hommes, nous ne sommes que des erreurs de la nature. Moi, je veux être comme vous. Donc voilà, ça m'intriguait. Je trouvais que le livre était vraiment très beau et j'ai eu envie de le découvrir. Donc voilà, je me le suis pris. Ça, c'est pour mes petits achats à la foire du livre. Donc je suis ravie de tout ce que j'ai pu récupérer. Maintenant, je vais vous montrer les cadeaux que j'ai reçus tout récemment. C'était en fait ce week-end, donc ça date de quelques jours. J'ai reçu tout ça de mon amoureux parce que j'avais pas trop le moral et du coup il voulait faire quelque chose pour un petit peu me remonter le moral justement. Et donc voilà, j'ai eu des livres et je suis super contente et j'ai beaucoup de chance. Donc je vais vous montrer ces livres-là. En premier, il y a celui-ci qui est un clown dans un champ de maïs aux éditions Pocket de Adam César. C'est un livre que j'ai vu depuis un petit moment. Déjà quand il était sorti en grand format, il m'avait intriguée et je savais pas qu'il était sorti en poche, mais du coup comme c'est le cas, eh bien voilà, je me le suis pris pour pouvoir le découvrir. Ça a l'air spécial. Bon, évidemment, faut pas avoir peur des clowns hein, parce que ça fait un petit peu film d'horreur. Je sais pas trop de quoi ça parle et je veux pas trop savoir. Je peux vous mettre le résumé, comme ça vous pouvez faire un petit arrêt si vous souhaitez lire le synopsis, mais moi je veux plonger sans rien en savoir. Alors je me suis aussi pris celui-ci qui est Sombre de Max Monnehet aux éditions Point. C'est le premier tome d'une série et c'est Séverine de Il est bien ce livre qui en a parlé. Apparemment elle l'a beaucoup apprécié et du coup ça m'avait donner envie de découvrir les titres de cet auteur. Et voilà, dans la librairie, il y avait celui-ci de disponible. C'est le premier tome si je me suis pas trompée, mais je pense pas. Donc voilà, je l'ai pris pour pouvoir découvrir cela. Je me suis pris aussi un peu la base, Brandon Sanderson, Warbreaker. D'après ce que j'ai compris, celui-ci est un one-shot, donc c'est ça qui m'a un petit peu décidée. Parce que il y a beaucoup, j'ai beaucoup à lire de Brandon Sanderson et il y en a pas mal qui m'attendent, que ce soit dans ma palle ou à la librairie. Donc c'est pas comme si je n'avais plus de Brandon Sanderson à lire, mais ici j'ai compris, si j'ai bien compris, que c'est un one shot. Donc étant donné qu'à chaque fois ce sont des livres qui font 900 ou 1000 pages, quasiment 1000 pages. Et que j'avais pas trop envie de me lancer dans une série, eh bien je me suis dit que j'allais prendre celui-là comme ça. C'est un peu comme Elantris, un livre, une histoire, et puis c'est tout. Et je me lance pas dans une énième saga, en tout cas pas tout de suite, parce que je finirais bien par le faire un jour ou l'autre. Mais là, je préférais aller vers un one-shot et celui-ci était disponible. Alors, j'ai aussi reçu L'Ascension d'une héritière aux éditions de Saxus de Chloé C. Panaranda, qui est une de mes lectures en cours. Je suis au chapitre 3, donc j'ai pas avancé beaucoup, mais pour l'instant j'aime bien. Après, il se passe pas encore grand chose hein, vous me direz, chapitre 3, mais on est dans un univers de Fae où les immortels eh bien règnent d'une main de fer sur les humains, qui doivent faire profil bas pour survivre. Et là on va suivre Faith, qui est une orpheline qui est dotée d'un don pour l'escrime. Je pense que ça va parler de révolte, de rébellion, de changement.
et de cette héroïne qu'on va suivre. Donc voilà, je viens de le commencer. J'ai aussi reçu celui-ci, donc les Whisperix, un labyrinthe, le labyrinthe sans fin de Jordan Lys aux éditions Ozu. Je pense que vous avez dû le voir passer parce que c'est une sortie qu'on voit quasiment partout. Il existe aussi en version reliée. Alors à la librairie, il y avait le brochet, mais de toute façon, je préfère le brochet. Je trouve qu'il est absolument magnifique avec cette couverture pleine de détails. C'est le premier tome d'une trilogie d'après ce que j'ai entendu et il a que des échos incroyables et je suis très curieuse de le découvrir. On va suivre l'histoire du garçon qui ne croyait pas en la magie et du monde qui l'a fait changer d'avis. Donc voilà, très très curieuse de découvrir ce premier tome et en même temps je me dis qu'il faudrait peut-être mieux que je me freine un petit peu parce qu'il n'y a que le premier tome qui est sorti et je pense qu'il n'y a même que le premier tome qui est écrit en anglais. Après ça c'est sa traduction bien sûr, mais ça veut dire que le second tome n'est pas encore écrit dans sa version originale et que du coup ben, le temps que ça arrive en version originale et que ça soit traduit et disponible pour nous, ben ce sera pas tout de suite quoi. Donc j'essaye de me dire d'être peut-être raisonnable et d'attendre un petit peu, mais d'un autre côté j'ai super envie de le lire. D'ailleurs je l'ai inséré dans ma palle du printemps pour tout vous dire, voilà. Donc il y a déjà eu petits ajouts pour la palle du printemps avec d'autres petites choses aussi que je vous ai présentées juste avant. Mais voilà, je promets rien. Alors j'ai aussi reçu ce don perfide de Emily Teed aux éditions Rajo qui a ce petit jaspage de citron. Alors c'est une sortie, enfin c'est un livre qui est sorti il n'y a pas super longtemps mais je ne l'ai pas vu beaucoup passer et pourtant ça a l'air très chouette et les quelques personnes qui en ont parlé ont beaucoup aimé cette histoire. Donc je sais pas, il est passé un petit peu inaperçu et pourtant ça a l'air très sympa. Donc ici, son don peut les sauver ou tous les tuer. On va suivre Alessa. Alessa est l'élue au don unique, celle qui sauvera l'île de Saverio d'un fléau démoniaque. Cependant, le pouvoir de la jeune femme est puissant et incontrôlable. Elle a déjà tué malgré elle trois partenaires dont elle devait magnifier la magie. Alors que la méfiance de la population s'accroît à son égard, Alessa recrute Dante, un parier beau et mystérieux chargé de la protéger. Mais le garde du corps est irrésistible et le toucher d'Alessa mortel. Donc sans doute qu'il y aura de la romance. Après, je suppose que ce sera pas vraiment ça qui sera l'élément principal de cette histoire. En tout cas, j'espère que non. Parce que ce côté don qui peut tuer m'intéresse beaucoup. Dans les petites notes qui sont mises de magazine ou autre, il est mis une des meilleures fantaisies de l'année et c'est aussi indiqué le premier roman de Teed entremêle intrigue politique, lutte de pouvoir et romance passionnée, un premier tome immersif et captivant. Donc à voir, parce que c'est vrai que ces phrases, elles sont là pour appâter le chaland. Maintenant, à voir si ça se vérifie, mais moi en tout cas j'ai un bon feeling pour cette histoire et pour ce livre, donc j'aimerais beaucoup le découvrir. Bon, ça aussi je l'ai ajouté à ma palle du printemps. Et dernière chose que j'ai gentiment reçu, c'est celui-ci, Défier la nuit de Brigitte Kemmerer aux éditions Rajo. C'est sa nouvelle saga. Donc cette autrice, elle avait écrit la trilogie Un sorcier noir et éternel, et puis il y avait d'autres choses dans le même genre que j'arrive jamais à retenir, mais tous les titres fonctionnaient comme ça, un peu revisite de La Belle et la Bête que j'avais vraiment beaucoup aimé, je les avais enchaînés, j'avais adoré cette histoire et du coup quand j'ai vu qu'elle se lançait dans une nouvelle série, eh bien c'était une sortie qui était très attendue. En plus il a un jaspage qui est vraiment très très réussi. Là on a le haut avec le ciel et là on a la fin de la forêt. Oui. Je sais pas du tout de quoi ça parle et je veux pas savoir, je veux me plonger à l'aveugle. Donc de nouveau, si vous voulez, je vous mets le résumé. Moi, je ne le lis pas et ça aussi, j'ai super hâte de le découvrir parce que je sais que ça va se lire très bien aussi. La plume de cette autrice fonctionne bien avec moi. C'est fluide et même si les livres sont assez imposants, il fait combien ? 588 pages. Je sais que ça se dévore en un clin d'œil, donc ça aussi je suis
J'ai très très hâte de me lancer dedans. Voilà, nous avons fait le tour pour cette vidéo. Je vous ai montré les petits achats que j'ai fait à la foire du livre et les petits livres que j'ai très gentiment reçus. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez fait des achats récemment, si vous êtes allé à la foire du livre de Bruxelles. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez craqué. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Passez une excellente journée, que tout se passe bien pour vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.